Si je vous dis Bethléem, en ces périodes de fête, vous allez penser à Bethléem situé en Cisjordanie, une région de Palestine. Bethléem est également une ville aux États-Unis située dans l'État du Connecticut. Eh bien, figurez-vous qu'il y a également un Bethléem à Nilvange. Il ne s'agit pas non plus du célèbre tableau Le dénombrement de Bethléem de Bruegel l'Ancien exposé au Musée royal des beaux-arts à Bruxelles. Non, la crèche de Noël et Bethléem se trouvent en effet au domicile de M. Harry Lucien. Denis Vange, magnifique résultat du travail de ce passionné de crèches et de villages de Noël. L'intérêt pour les crèches lui vient de son père, qui par ailleurs avait déjà fait parler de lui dans la presse locale pour ses villages notamment, mais aussi la réalisation de la maquette du foyer amelie de Denis Vange. Honorer la mémoire de son père et de son travail d'orfèvre et d'artiste en la matière est l'un des moteurs principaux de Lucien. Ah ben la passion m'est venue simplement pour mettre en valeur la mémoire de mon père. Car c'est lui qui a réalisé tous ces monuments que vous voyez. Et il a pris du temps, je vous le dis, au début, c'était vers les années 1940, il avait créé une crèche où il y avait 200 lampes qui étaient allumées. Et c'était quelque chose de magnifique. La preuve, il avait même mis euh, à l'époque ils n'étaient pas aussi sophistiqués que maintenant, euh, il avait mis un réchaud, ça faisait l'étoile, l'étoile et la queue elle, elle devenait rouge. Et le pauvre malheureux il n'a pas eu de chance, la crèche a pris feu. Il m'en a fait euh, disons des, des copies. Et cela, je les ai gardés précieusement et puis dispatchés un peu chez les enfants parce que ça prend une place qui est assez grande. Hein. Et voilà, j'ai pu réaliser quelque chose à son effigie pour pas oublier sa mémoire. Alors derrière moi, vous voyez le grand templier. Et là, je pense qu'il a manœuvrer, euh, pour sculpter tout ça, euh, il lui a fallu à peu près trois euh, à quatre mois. Parce que vous pouvez voir toutes les petites définitions et tout ce qui s'ensuit. C'était un travail euh, avec des mains d'artistes quoi, je le répète encore une fois. Après, bon, il y a une histoire de huit éléments et il y en a bien plus dans la, no dans la logique. Alors, je vois le grand templier. Là, c'est la maison de Joseph avec toute la menuiserie, mais fait euh, à un niveau euh, vraiment, euh, je dirais, moins qu'un quart. Hein. Et après ça, vous avez le grand mur de Bethléem. Là, vous avez un pont de Bethléem. Le petit templier. À côté aussi euh, une partie euh, du Templier aussi là avec tous ces sujets. Bon ces sujets, j'ai dû aller les chercher à Strasbourg. Une, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, neuf, dix. Avec la crèche et puis les deux bâtiments bas. Trois semaines sont nécessaires à M. Lucien Harry pour sortir toutes ses maisons de collection ainsi qu'une foule d'accessoires et placer son village sur un grand buffet à l'ancienne et autour de son sapin. Bon, et après ça, oui, il m'a fallu quand même euh, trois semaines, trois bonnes semaines pour monter tout ça parce qu'après, il fallait euh, un peu réaliser euh, où c'est que je vais les positionner. Euh, le circuit électrique, il fallait que euh, je fasse attention aussi, parce que là, euh, comme le Grand Templier, il y a quatre ampoules. Le, la menuiserie, là, il y a trois ampoules. Le, le pont, il y a une ampoule. Et le grand, le grand mur de Bethléem et le petit, euh, il m'a fallu deux à chaque, ça fait quatre. Après, on a le bâtiment euh, euh, qui fait partie du petit Templier. Et euh, la, la partie à côté aussi, euh, ben là, il m'a fallu, euh, rien que pour les deux, euh, cinq ampoules. Ah, la crèche, pareil, trois ampoules. Le bâtiment euh, en bas, la, la maisonnette, deux ampoules. Et le, euh, le grand mur, là où il y a le. où il faut les prières, hein, euh... là, il y a aussi une ampoule. Faire perdurer ainsi la mémoire et le travail d'artiste de son père, celui-ci serait certainement très fier de son fils Lucien. Comme quoi il y a encore des personnes qui ont su garder quelque part en eux leur âme d'enfant et propager l'esprit de Noël, à savoir faire vivre une ambiance un peu magique, composée d'une multitude de petites choses, de moments, d'attention et de partage, notamment au travers de leur passion et de leur art. Pour la crèche, pourquoi Tout simplement... C'est euh, des éléments qui sont magnifiques, hein. vous pouvez le constater par vous-même. Hein. Et j'ai pas voulu enlever cette belle image pour montrer à Nirvache et aux occupants de Nirvache qu'on les aime très fort et qu'on veut passer un message de paix et d'amour après tout ce qui s'est passé.